Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui? C'est un nouveau? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Mon voix ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœur. Agissons avec précision, et nous les prendrons tous par surprise. Le révérend Julius Foster a été invité à célébrer l'office à Sainte-Marie, ce dimanche, au profit de tous... Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Habitants du Massachusetts, les Français s'emparent de fortes nécessités en Pennsylvanie. Sais-tu comment Silas s'est organisé? De combien d'hommes il dispose? En quoi consistent ses défenses? Tu dois être très importante à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Ethan, des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Tous sur l'attaque! Ces maudits chiens! Rappelez-les au loin!
La faucheuse vient te chercher. Bien entendu. Donnez mon ordre et je les mets en pièces. Qui est ton officier ? Tous à l'attaque ! La faucheuse vient te chercher. La voie est libre. Halte ! Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire ? Livraison pour Silas. Allez-y. Tu vois, je te libère comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir! Non, je ne crois pas. Quel est le plan? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas? La mort. Vous serez prêts, faites-nous signe. Bonjour. Comment se passe la garde ? Tu es qui, toi ? Thomas Smith, une nouvelle recrue. J'arrive de Londres, débarqué il y a une semaine. Et tu viens en patrouille avec nous ? J'obéis à Silas. J'imagine que notre tâche est plutôt simple. On s'assure que tout aille bien, et on maintient l'ordre. La marchandise ? Si on n'a pas jugé bon de t'en parler, contente-toi de la fermer et d'obéir aux ordres. D'accord. Tu es qui, toi ? Thomas Smith, une nouvelle relance. Ah oui. Et tu viens pas trop avec nous ? Hé, les gars ! Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter ? Qui m'a trouvé, toi ?
Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter? Qui m'a trouvé ce poste, à ton avis? Hé, les gars! Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter? Hé, les gars! Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter? Hé, hey, les gars! Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter? Qui m'a trouvé? J'avais demandé une heure de calme, mais je suis réveillé au bout de 10 minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication, et faites qu'elle soit bonne! Quoi? Comment est-ce arrivé? On a libéré ma précieuse marchandise? C'était intolérable! J'aurai la tête des responsables, soyez-en sûrs! Mais avant, nettoyez-moi tout ça! Bouclez le fort, tuez ceux qui cherchent à s'enfuir. Je me moque qu'ils soient avec nous ou contre nous. Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie. C'est compris?
Poussez-les! La voie est libre, Ethan. On retient les gardes. Pas allez vous occuper de Silas. Encore le temps de construire. Et très vite. Austin n'a pas de meilleurs soldats que vous. Pas étonnant que les Français nous menacent. Benjamin, content de vous avoir parmi nous. Venez m'aider. Arrière, ville pourriture. Tuez ces intrus! Tuez les fous! L'ordre ne connaît pas la défaite. C'est lui le responsable! Tuez-le! Comme un poisson. Tuez ces intrus! Tuez les fous! L'ordre ne connaît pas la défaite. Je m'occupe. C'est lui le responsable! Tuez-le! Tuez ces intrus! Tuez les fous! Arrière, ville pourriture. Je suis Ethan Kenway. Vous ne me connaissez pas. Je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir. Maintenant. Attendre. Le moins longtemps possible, je l'espère. Nous avons libéré les prisonniers Mohawk voilà maintenant plusieurs semaines. J'espérais que leur chef se manifesterait, mais nous n'avons eu droit qu'à son silence. Mes hommes s'impatientent. Ils veulent poursuivre notre œuvre. Et je n'ai rien à leur dire. Seul Lee s'active. Il suit les pistes les plus ténues. Il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines, espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvés. Cette nuit-là, il y avait une femme. C'est elle qui a conduit les autres à l'abri. Si nous la retrouvons, j'aurai mes réponses. Alors j'attends et j'observe, dans l'espoir que ma vraie mission commence enfin.
Bonjour, Charles. As-tu retrouvé notre disparu ? On raconte qu'elle a causé des troubles, non loin de la ville, dans un bourg appelé Lexington. Eh bien, c'est par là que nous commencerons. Je t'y retrouverai. En exprimant ses sincères condoléances à la famille Brown, Monsieur Robert se tient à rappeler à la jeunesse de la ville qu'il ne faut pas jouer près des bâtiments des manufactures.
L'as-tu trouvée? Elle a installé son campement non loin d'ici. Parfait. Plus vite ce sera réglé, plus vite nous pourrons échapper au froid. Nous irons plus vite à cheval. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Ah ? Braddock insiste pour que je revienne auprès de lui. J'ai tenté de gagner du temps, mais en vain. Il est toujours furieux d'avoir perdu Pitcairn. Sans parler de l'humiliation que nous lui avons fait subir. Obéis-lui. Pendant ce temps, je vais m'arranger pour te faire détacher. Désolé de ce contretemps. Ce n'est rien. Il est trop tard. Le feu vient juste d'être étouffé, mais les traces sont fraîches. Elle est tout près. Malédiction. Ces traces sont fraîches. Sans doute les siennes. Elle a pris de la hauteur. Elle a dû quitter la neige pour les arbres. Reste ici. Oh, bon sang! Attends, ne pars pas! Retourne auprès de Braddock avant d'éveiller ses soupçons, Charles. Je saurai me débrouiller. Mais, monsieur... Obéis-moi. Va! Ne fuis pas! Je vais juste te parler! Je ne suis pas ton ennemi! Par pitié, écoute-moi! Bon sang, femme, écoute ce que j'ai à dire! Assez...
Ma patience s'épuise, femme! Es-tu un simple d'esprit? Moi, Etam, je viens en paix. Pourquoi parles-tu si lentement? Oh, pardon. Que veux-tu de moi? Eh bien, je veux ton nom. Je suis Godzio. C'est un plaisir. Godzio? Appelle-moi Tio. Dio? Tio. Tio. Bon, dis-moi ce que tu fais ici. Comment l'as-tu eu ? Par un vieil ami. Je n'ai vu ces marques qu'à un seul autre endroit. Où ? Je ne peux le dire aux étrangers. J'ai sauvé tes frères, cela ne signifie donc rien pour toi ? Écoute, je ne suis pas ton ennemi. Il y a une colline près d'ici. Retrouve-moi là-bas, et nous verrons si tu parles vrai. Les soldats de cette ville veulent chasser mon peuple de ces terres. Leur chef est un homme surnommé le Bulldog. Edward Braddock. Tu le connais ? Il n'est pas mon ami. Chaque jour, nombre de mes frères meurent sous sa botte. Nous allons y mettre un terme. Ensemble. Que proposes-tu ? De tuer Edward Braddock. Mais pour cela, il faut d'abord le trouver. Je ne te fais pas confiance. Je sais. Attends ici. La présence d'une Mohawk risque d'éveiller les soupçons, ou les mousquets. Ce n'est pas la première fois que je marche parmi ton peuple. Je sais me tenir. Je l'espère. On dit que les Français s'apprêtent à attaquer nos positions. Je me demande comment Braddock compte riposter. Il a déjà rejoint le camp avancé. Je crois que nos petites vacances touchent à leur fin. Nous marcherons bientôt vers le sud. Tenez dans ce trou. Le bruit assommant des vagues. Le sel qui pique les yeux. Et ces saletés de mouettes qui hurlent et qui chient partout. T'es sûr que c'est là qu'on va ? Ouais. Le Bulldog prépare une autre de ses expéditions. C'est le nom qu'il leur donne maintenant ? Des expéditions ? Ouais. C'est ingénieux. Un joli nom fait oublier toutes les horreurs du monde. Où vas-tu, imbécile ? Moi ? Le type qui te ressemble. Eh bien, je m'en allais. Oh. Et maintenant ? Maintenant, je vais te faire avaler tes dents. Et tu pensais que c'était moi qui allais me faire remarquer ? Thank you.
Tu es blessé. Ce n'est rien. Tiens. Ça devrait arrêter le sang. Ce n'était pas nécessaire. Mais merci. Nous devons partir. Retrouve-moi au camp de Braddock. Utilise la tempête pour t'approcher sans te faire voir. Ton courage s'envole ? Jamais. Mais je vais devoir me montrer prudent. Tu peux y aller. Je reste ici faire le guet. Ce chariot va m'aider. Ce chariot va m'aider. Qu'y a-t-il là-dedans ? Je veux un inventaire complet. Comme tu voudras. Voyons. Le baril de sel, 12 livres de porc, 10 livres de bœuf, 7 douzaines d'œufs, 16 roues de fromage qui vient pas de France. Rassure-toi. 5 bouteilles de whisky, quelques douzaines d'uniformes neufs, des bottes et des pièces de cuir. Couverture, du foin pour les chevaux. Quoi d'autre ? C'est tout. Il n'y a rien d'autre.
canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort, même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage votre avis. Aussi loin de chez nous, avec mon frère. C'est pas que Braddock nous soit aveuglé par sa soif de sang. Il met nos hommes en danger. Et je refuse que des familles soient détruites, rien que pour satisfaire l'honneur du Bulldog. Où est le général ? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duquesne, je suppose ? Certainement. Ce déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans dans la tente de commandement. Je sais, mon ami. Je sais. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. Ces canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Thank you.
Qu'as-tu trouvé ? Braddock est parti, rallier ses troupes. Il marchait sur Fort Duquesne. Les préparatifs vont prendre du temps. Nous devons en profiter pour agir. Je sais. Nous lui tendrons un piège ici, près de la rivière. Rassemble tes hommes. Je vais avertir les miens. Je te dirai quand viendra l'heure d'attaquer. La 5 sous et des camps. Bravo! En plein travail, je vois. Mais comment? Le moment est venu. Nous sommes au nord. Rejoins-moi là-bas. Messieurs, il est temps. Avant, c'était le froid. Maintenant, cette satanée chaleur. Et l'humidité. On se croirait dans un marais, mon Dieu.
sans parler de tous ces moustiques. La chaleur et les insectes seront bientôt le cadet de nos soucis. Quoi ? Vous parlez du bulldog ? Ce fou furieux ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Où est passé le jeune Lee ? Parti terminer son service auprès de Braddock. Le bulldog n'a pas dû apprécier le tour que nous lui avons joué. Lee va me faire passer pour un incompétent et implorer son indulgence. Il sait manier les mots, surtout pour flatter l'ego. Je serais surpris qu'il ne soit pas accueilli à bras ouverts. L'un des nôtres sera infiltré chez l'ennemi. Exactement. Sauf si vous avez sous-estimé l'adversaire. Si c'est le cas, Charles le sentira et prendra la fuite. Je vois que tu n'as pas chômé. Tous ces hommes sont de tribus différentes, unis par leur désir de chasser Braddock loin d'ici. Les Abenaki, les Lenape, les Shawnee. Et toi ? Qui représentes-tu ? Moi-même. Qu'attends-tu de moi ? Nous aiderons les autres à se préparer. Suis-moi. Les voilà. Tout va bien, mon général ? Je savoure l'instant, Sitour. Beaucoup se demandent pourquoi nous sommes venus si loin à l'ouest. Sur ces terres sauvages où la nature est indomptée, il n'en sera pas toujours ainsi. Un jour, nos possessions ne nous suffiront plus, et ce jour approche à grands pas. Nos populations auront besoin de place pour croître et prospérer. Autrement dit, il leur faudra des terres. Les Français l'ont compris et s'efforcent de nous en empêcher. Ils ceinturent notre territoire, bâtissent des forts et forgent des alliances, en attendant le jour où ils resserreront la corde sur notre gorge. Nous ne nous laisserons pas faire. Il faut trancher la corde et les chasser. C'est pour cela que nous sommes venus jusqu'ici. Leur donner une dernière chance, partir ou mourir. Il est temps d'attaquer. Non. Disperser cette expédition ne suffira pas. Nous devons tuer Braddock. Sinon, il reviendra, c'est certain. Je vais me déguiser en soldat et remonter jusqu'à lui. Ton embuscade m'offrira l'occasion parfaite de lui porter le coup fatal. On attend ton signal. Là, droit devant nous. Je dis que le chariot est bien trop chargé. Le sol est inégal, on ne voit pas les trous. Alors...
Général ? Et cet honneur est maintenant révolu. Général ! Je ne... Edward. Moins agréable quand l'arme a changé de nom. Hein ? Attention ! Sœur ! Mais où t'es-tu enfui, Edward ? Cette lâcheté m'étonne de ta part, Edward. Finissons-en ! Quelle arrogance ! J'ai toujours su qu'elle causerait ta perte. Et j'avais vu juste. Non ! Vite, il essaie de s'enfuir ! Pourquoi, Etam ? La mort était inévitable. Cela n'a rien de personnel. Enfin, ça l'est peut-être un peu. Tu me gênes depuis bien trop longtemps. Mais nous sommes des frères d'armes. Nous le fûmes. Mais plus maintenant. Crois-tu que j'ai oublié ce que tu as fait ? Tous ces innocents massacrés sans remords. Et pourquoi ? Tuer comme tu le fais n'amène jamais la paix. Tu te trompes. Si nous avions brandi l'épée plus souvent et plus librement, le monde serait bien plus paisible aujourd'hui. Dans le cas présent, j'en conviens. Adieu, Edward. Maintenant que j'ai rempli ma part du marché, j'espère que tu rempliras la tienne. Suis-moi. Non ! Tu as l'air très déçu. Je croyais détenir une clé, qu'elle allait ouvrir quelque chose.
Il n'y a que cette salle. Je m'attendais à plus. Qu'est-ce que c'est ? Elle raconte l'histoire d'Odidison, qui est venu façonner notre monde pour y accueillir la vie. Sa tâche fut difficile, et les dangers nombreux. Mais elle avait foi en ses enfants et en ce qu'ils pourraient accomplir. Elle a depuis longtemps quitté ce monde, mais elle nous observe toujours. Ses oreilles entendent nos paroles. Ses mains nous montrent le chemin. Et son amour nous porte. Tu as fait preuve de beaucoup de bonté, Tio. Merci. Je dois partir.